Lecture chantée pour le 6 mai 2024. On va travailler sur la lecture chantée numéro 2 qui est en si mineur. Il y a deux dièses à la clé. Dans la barre d'infos de cette vidéo, je vous mets un lien vers une autre lecture chantée dans laquelle j'ai détaillé la gamme harmonique de si mineur, la petite mélopée en si mineur. Donc, si, ré, fa dièse, mi, do dièse, la dièse, fa dièse, si. Hein, et les accords 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de si mineur. Donc, vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur une autre lecture chantée dans laquelle tout est détaillé. On va pouvoir accompagner cette petite mélodie avec des accords de la gamme de si mineur. C'est une proposition d'accompagnement, mais à l'oreille, on corrigera si on entend que ça ne sonne pas bien. Donc sur le si ici, on peut placer un accord de tonique, un accord de si, ré, fa dièse avec des doigtés 1, 2, 4. Ici, sur le la dièse, un accord de dominante, un accord de fa dièse que l'on va jouer la dièse, do dièse, fa dièse avec des doigtés 1, 2, 5. Sur le sol ici, un accord de sous-dominante, un accord de mi mineur que l'on va jouer si, mi, sol avec des doigtés 1, 3, 5. On continue avec un accord de dominante, un accord de fa dièse majeur que l'on va jouer la dièse, do dièse, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 5. Sur le si ici, un accord de tonique, un accord de si mineur, si ré, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 4. Ici, sur le fa dièse, un accord de dominante, donc un accord de fa dièse majeur. Et sur la dernière note, sur le si, un accord de tonique, un accord de si mineur que l'on jouera si, ré, fa dièse avec des doigtés 1, 2, 4. Si.